Alors, on va recevoir tout de suite notre ami James. James, bonsoir, comment allez-vous? Ça va, David. J'espère que tout le monde va bien et que bientôt il va faire plus frais sur la France avec des gros grêlons, gros comme des ballons de rugby. C'est vrai. Bon. Vous pouvez vous en sortir quand même? Oui. Mais là, j'avais arrêté de boire des boissons alcoolisées. Puis là, je me suis dit, comme David Abbassi, il doit être en train de boire du vin de Shiraz. Je me suis préparé une petite boisson à base de jus de citron, et puis un peu d'alcool à 90, une goutte d'huile essentielle de citron, et puis c'est tout, c'est excellent. Et une pointe d'essence de thym aussi pour désinfecter ma boisson. Bon, mais enfin là, je déconne. Moi, c'était intéressant d'entendre ce musicien algérien pour la musique arabo-andalouse. Et je pense qu'il doit écouter, donc j'ai trouvé très intéressant. Oui, il est en train de nous écouter, sans aucun doute. Voilà, bon, je ne vais pas intervenir davantage. J'en ai entendu un petit peu lors de mes balades à Grenade, dans l'Espagne du Sud, etc. Bon, mais je vais laisser d'autres savants, à part toi, intervenir sur le sujet. Non, je pense que l'actualité du moment, en tout cas pour toi, et puis même pour moi, c'est ce qui arrive maintenant à l'Iran, c'est-à-dire l'ancienne Perse, enfin non, pas l'ancienne Perse, qui était beaucoup plus vaste, mais en Iran, avec ces mesures de Donald Trump, et une certaine révolte, là, je disais cet après-midi que j'avais écouté Radio France Internationale, pour entendre des nouvelles un petit peu de partout. Et effectivement, est-ce que Donald Trump a des visées autres que d'être contre la prolifération atomique, ce qui ne serait pas une mauvaise chose non plus. Mais enfin, à la limite, il faudrait supprimer toutes les armes atomiques, bien sûr. Y compris les centrales... les centrales thermiques civiles, parce que depuis son origine, le militaire et le civil se sont mélangés dans cette sombre histoire de l'énergie obtenue par l'atome. Bon, je ne vais pas revenir sur l'anniversaire d'Hiroshima aujourd'hui, entre le triste anniversaire il y a 73 ans. Et donc, alors, pour en revenir à l'Iran, je me demande... Enfin, j'espère d'ailleurs qu'on va être débarrassé de ces ayatollahs habillés tout de noir. C'est pas la couleur de leur turban et de leur vêtements qui m'inquiète. D'ailleurs, je me pose la question pourquoi les musulmans ashkenaz ou séfarades ont plutôt tendance à s'habiller en blanc et que du côté des Perses, les ayatollahs du coin, qui sont une sorte de clergé. Musulmans ashkenaz ou les juifs ashkenaz? C'est des juifs, séfarades ashkenaz. Non, j'ai fait une confusion, excuse-moi, oui. Oui, bien sûr, j'ai mélangé tout là. Mais remarque, c'est un petit peu... C'est des sémites, tous ces gens-là. Donc, pardon, c'est la chaleur qui me perturbe ou ma boisson qui est mal réglée. Oui, donc sunnites ou chiites, voilà, actuellement la grande division, encore qu'on pourrait trouver différentes formes de sunnisme et de chiisme, j'imagine, hein, suivant les régions. Bon, donc, pourquoi le blanc du côté de l'Arabie, tout ça, et pourquoi, qui est censé dans la religion sunnite, ne pas avoir de clergé. Et là, il y a une espèce de clergé chez les chiites, habillé tout de noir, vêtements et turban, et qui exerce une domination qui, personnellement, m'est insupportable sur l'Iran. Et j'imagine que je connais ton sentiment là-dessus. Et donc j'espère, sans trop de dégâts,
Alors, est-ce que, justement, là, je parlais de Donald Trump, bon, moi, c'est peut-être une autre motivation, mais je sais pas, comment expliquer ça, quoi? Parce qu'avec sa suppression de comment dire, son embargo là sur tout ce qui se passe d'un point de vue échange commerciaux industriel avec l'Iran, tout le monde se barre, quoi. Total se barre, Peugeot, bon. Donc effectivement, il y a une économie qui est en train plus ou moins de s'effondrer en Iran. Mais donc c'est toujours le peuple qui en souffre dans ces cas-là. Hein. Je m'en fais pas pour les pour le clergé, c'est le clergé chiite. Bon, écoute, voilà, je crois que j'ai ouvert l'antenne et puis plus ou moins bien, mais plutôt mal, puisque je me suis mis à confondre plusieurs variétés de ces mythes. C'est excellent, c'est excellent. Merci, James. Mais tu sais, je veux préciser trois choses, si tu Oui. veux bien. Première chose, c'est qu'actuellement, il n'y a pas la guerre chiite et sunnite. C'est la guerre de pétrole et de l'argent. Dollar, pétrodollar. Oui, C'est-à-dire, certainement, oui. voilà, il y en a des camps dans les pays arabo-musulmans qui sont au pouvoir. Ces cons-là, avec les conneries qu'ils font, ils sont en train de vider le stock de tout l'armement qui était en nord et en sud, en Russie, en Amérique, tous ces armements que tu devais les jeter aux poubelles, comme tu devais jeter tous les Minitel que tu avais, tous les l'ancien fax que tu avais, tous les anciens imprimants non numériques que tu avais, on est obligé de les Oui, jeter. renouvellement du Et voilà, matériel, tous ces matériels, on a trouvé des cons pour créer cette guerre, soi-disant chiite sunnite, pour pouvoir désestocker tous ces armements. C'est la première fois. Il n'y a pas de guerre chiite et sunnite. Le chiite et sunnite, c'est deux tendances parmi 75 tendances musulmanes que depuis des siècles ils vivent ensemble. Deuxièmement, un autre conneries que malheureusement personne ne le conteste pas, puisque personne ne le sait pas, et les gens qui le savent, ils ne disent pas pourquoi, puisqu'ils vont laisser passer l'intox, c'est qu'il n'y a pas, quand on dit il n'y a pas de clergé sunnite, mais il y a clergé chiite, ça c'est faux aussi. C'est comme Ah les bon? spécialistes que je te dis, Oui. tous les sunnites, parce que dans les sunnites, il y a quatre branches. Hanafi, Maliki, Hanbali, Shafi. C'est-à-dire, D'accord. même les sunnites, ils ont quatre écoles. Alors, tu vois un arabe musulman sunnite, tu dis, alors tu es sunnite, mais c'est vrai, mais de quelle école? Où il va être Hanbali, ou Shafi, ou Maliki, ou Hanafi, c'est-à-dire quatre écoles. Après, quand tu es chiite, il y a 72 écoles. Il y a l'école de trois imams, six imams, sept imams, 12 imams, il y a les durouzes et tout ça. Voilà. Mais, oui, mais tous ces tendances musulmanes, qu'ils soient chiites, sunnites, tous, James, ils ont leur clergé. Ah non, mais même chez les sunnites, il est Bien sûr, il évident a le clergé, il s'appelle Mofti. que les imams sont, quoi qu'ils en certains le disent, sont une sorte de clergé. C'est Oh, c'est ça le clergé. Le clergé, c'est ce sont quoi? Ils des ont maîtres des écoles, ils des ont maîtres à des penser. grades, exactement comme celles des chiites, mais seulement il y a une différence. On différent que cette différence existait en Iran à l'époque de Shah d'Iran. Maintenant, ça n'existe plus. C'est quoi? Ce que les clergés de chaque pays, ils sont sous l'ordre de pouvoir politique. Ils ne sont pas indépendants. À l'époque de Shah d'Iran, une grande partie était sous l'ordre de Shah d'Iran, mais une grande partie, elle était sous l'ordre de Grande-Bretagne. C'est-à-dire le financement, il venait d'Arabie Saoudite et Ah, d'accord. de Grande-Bretagne. C'était Arabie Saoudite, il finançait des écoles des ayatollahs chiites, et par le business qui venait de Grande-Bretagne. Mais sinon, à l'époque de Shah d'Iran aussi, les clergés en Iran, presque, ils étaient contrôlés, presque, pas 100%. Mais le clergé, dans tous les pays musulmans, qu'ils soient en Turquie, en Arabie Saoudite, en Égypte, il y a, mais ils sont surveillés et contrôlés par l'État. C'est l'État qui contrôle Al-Azhar. Al-Azhar, c'est le grand institution religieuse en Égypte. Après, tu as la même chose, tu as plein de mufti ou imam. Mufti, c'est lui qui donne le fatwa.
Mufti, c'est important. Mufti, celui qui donne le fatwa, c'est-à-dire le fatwa pour détruire les tours de New York, c'était donné par les muftis d'Arabie Saoudite. Et actuellement, moi, que je comprends la langue arabe, je regarde les télévisions arabes dans le monde, il y a les muftis, c'est les muftis non chiites qui viennent donner des ordres pour tuer les chiites. Ils disent qu'ils ne sont pas musulmans, mais qu'ils errent, il faut les tuer, ces gens-là. C'est des muftis qui donnent des ordres, même hier, ils ont donné des ordres. Mufti, dans les tendances sunnites, de n'importe quelle obédience, ceci existe. Mais ils nous donnent des mauvaises informations, des intox, et tout le monde passe. Et sans contester, et après il y a des justificatifs donnés qui sont faits, qui ne sont pas corrects. Clergé existe partout, c'est-à-dire sans clergé, aucune religion ne peut pas rester, James. Oui, alors David, je ne vais pas trop prolonger, je pense qu'il y a une cohérence dans les émissions d'ici et maintenant, car on a relu le fameux texte de Simone Weil, la philosophe. Pour la suppression des partis politiques, et à la limite, si on lit bien ce merveilleux petit texte là, j'ai le bouquin, politique et religion s'entremêlent, et c'est pas bon tout ça, c'est toujours des histoires religieuses en fin de compte, c'est-à-dire qui seraient censées nous relier et en réalité qui divisent. Donc voilà, je peux terminer par une petite blague, mais vraiment très mauvaise. Oui, James. Alors, Mahomet, il est mort en 632, c'est ça? Donc, c'était 100 ans avant que Charles Martel, à Poitiers, n'arrête les Maures en 732, à Poitiers. Donc, 1,732, c'est égal à racine de 3. Donc, ça veut dire que Charles Martel, c'est le 1, et contre lui, les morts, ils étaient 732. Et bien lui tout seul, Charles Martel, lui en a arrêté 732 d'un coup. Voilà. Je ris de mes blagues, mais je l'avais écrit sur cet excellent religion, les religions du monde, collection histoire, dont nous avions parlé, mais qui date de, je sais plus, oui, juin 2017, et que dont je m'étais servi pour te téléphoner. Merci, le James. Le hors-série numéro 28. Hein. Excellent. Alors, la prochaine fois, je lirai l'édito rédactrice en chef qui commence cette revue. Mais est-ce qu'il y aura une prochaine fois? J'en sais rien. Allez, je vous embrasse. Merci, James. Moi aussi, je t'embrasse. Au revoir. Bonsoir. C'était James sur 95 FM avec son blague. Blog aussi, c'est bien, c'est pas grave. Un peu d'humour sur l'antenne, pas de problème. C'est votre tour maintenant, 08 et 92 23 95 20. Mes chers amis, vous avez la parole, on vous écoute. Allez, c'est votre tour. Radio aussi maintenant sur 95 FM. Alors 08 92 23 95 20.